Bonsoir à tous et bienvenue. Alors, on a passé une très belle soirée à la mer, ou plutôt au bord du ring. Effectivement, au bord de la mer, puisque nous sommes à Saint-Malo en Bretagne, il y a eu ce soir un gala de boxe juste derrière nous. Le combat phare, c'était le championnat de France professionnel des poids mi-moyens. Et un Normand était à l'affiche de cette opposition, Ludovic Duval de Dieppe. Il a affronté le tenant du titre, le Breton Damien Martin. Regardez ces images de Stellan Vidéo Communication. Et juste avant ce championnat de France, découvrez le combat d'un autre Normand, Freddy Dubourg, nous vient d'Argentan. Il est boxeur amateur. Première reprise. C'était son premier combat depuis sa défaite il y a quelques semaines en finale du championnat de Normandie amateur dans la catégorie des moins de 75 kg. Pour son retour sur les rings, Freddy Dubourg ne s'est pas manqué. Il s'est imposé au point face à un boxeur de Saint-Malo après avoir maîtrisé son sujet du début jusqu'à la fin. 2015 débute bien pour celui qui a franchi les portes du club d'Argentan il y a seulement 3 ans. Nous sommes avec l'organisateur de cette soirée, l'un des organisateurs. C'est quoi le plus dur dans une organisation comme celle-ci ? D'être coach, organisateur, mais j'ai un bon président, beaucoup de bénévoles. L'intérêt, c'est que je fais boxer, si vous voulez, 8 personnes de mon club, dont 5 professionnels. Il faut beaucoup, beaucoup d'organisation pour arriver à faire ça. Autant pour le mettre sur le pied que de le développer pendant le moment. Voilà. Oui, parce qu'en fait, avant le combat, vous vous occupez de vos boxeurs, par exemple, vous faites les bandages. Enfin, il y a vraiment beaucoup de missions. Tout à fait, il y a beaucoup de missions, il y a beaucoup de préparation mentale. Et là, je sais, moi, au fond de mon boulot de coach, que d'avoir beaucoup d'athlètes, je deviens négligent et des fois un peu médiocre. Voilà. Vous n'avez quand même pas d'aide au sein du club ? Si, bien sûr, mais si vous voulez, je ne peux pas me concentrer sur 8 personnes et être vraiment au top. Voilà. On imagine quand même que vous accordez plus d'importance ce soir, en tout cas, à Damien Martin. J'accorde beaucoup d'importance à ce titre, mais j'aime tous mes élèves. C'est des garçons que j'ai depuis l'âge de 8 ans, 10 ans. Il y en a, ça fait 15 ans. 18 ans, voilà, donc pour moi c'est un peu mes neveux, j'accorde de l'importance à tout le monde. Après le titre, c'est important parce qu'on peut être européen derrière. Madame, mademoiselle, monsieur, c'est le dernier combat de cette soirée, c'est la finale du championnat de France des poids mi-moyens. Il s'appelle Ludovic Duval. On va rentrer tranquillement dans le combat. Là, pour l'instant, je suis serein, je suis calme, je suis posé. Donc plus on va aller dans le combat et plus on va commencer à vraiment se mettre dedans. Le boulot a été fait avec mon entraîneur, les partenaires de mon club. Et donc je sais qu'il y a du taf derrière moi, avec mon préparateur aussi, mon petit frère. Donc c'est pour ça, je suis tranquille. Madame, mademoiselle, monsieur, on finit le bandage, on va commencer l'échauffement tranquillement et puis à monter dans les tours, monter en sudation et puis après c'est parti pour la guerre. Sébastien Dufour,
c'est le challenger au titre. Vous allez applaudir Ludovic Duval. Il sera dans le coin bleu. Il est du centre à Rive Valois, c'est le CRM. Il accusait sur la bascule ce matin 65,2 kg. Son coach, c'est Jean-Michel Brunet. Vous allez faire une ovation à Damien Damigo. L'arbitre de ce combat terminé en 10 reprises de 3 minutes sera monsieur Pierre Derval. Première reprise. J'ai essayé de franchement faire ma préparation sans y penser et d'aborder ce combat sans, en oubliant totalement le fait que je l'ai battu. Est-ce que tu as repensé à cette défaite-là en préparant ce combat ? Ben bien sûr, parce que c'est une revanche. C'est une revanche, mais j'y ai pas pensé spécialement. J'ai même pas regardé la vidéo de notre premier combat. Je pense que lui, dans le fond de sa tête, ça doit les céder, ça doit être là, bien sûr. Mais je pense que là, les cartes sont distribuées, c'est pas le même combat. Il y a un titre en jeu, il y a 10 rounds. Le poids est différent pour les deux boxeurs, donc je pense que c'est pas le même combat. Mais il est évident que lui, dans sa tête, ça doit traîner quand même. Par contre, il est évident que pour moi, sur le point de vue de sa stratégie à lui, de sa technique et tout ce qui s'ensuit, je sais à quoi m'attendre. Donc il est évident que j'ai un petit point d'avance. Oh, il va avancer, il va faire le forcing et puis voilà, décrocher des deux mains, je pense. Et je pense de toute façon il a pas autre chose à faire, donc voilà à quoi je m'attends. Il en faut toujours de la pression, mais il faut la transformer en pression positive. Je l'aborde comme challenger et je garde ma ceinture à la fin. Ça se ressentira sur le ring. Nous sommes avec Mehdi Lafifi. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes promoteur, c'est-à-dire que vous mettez en avant de nombreux boxeurs en France. Vous faites donc leur promotion, notamment celle de Damien Martin. Entre autres. Ce soir, une belle soirée en perspective avec le championnat de France de Damien Martin face à Ludovic Duval. Il est déjà double champion de France, donc ça serait une troisième ceinture. Qui lui permettrait d'entrer dans le classement européen. Exactement. Il y a la ceinture Union Européenne, la ceinture Championnat d'Europe qui pourrait être de belles perspectives pour Damien Martin. Est-ce que le promoteur est plus tendu et plus stressé que le boxeur ? Non, c'est le boxeur qui fait le boulot sur le ring, c'est lui qui s'est préparé, c'est lui qui fait beaucoup de sacrifices. Donc le promoteur, il est là pour mettre en valeur ce travail, de gérer les relations avec les institutions, fédérations, gérer un peu la partie communication. Mais le boulot est fait par le boxeur, par l'entraîneur, les dirigeants du club, qui ont mis tout en œuvre pour avoir un gala de qualité ce soir et permettre à Damien de présenter cette ceinture française qu'il défend pour la deuxième fois. Et donc on espère une victoire pour Damien. Et pour la suite, vous saurez ça très bientôt.
Comment vous vivez généralement les combats? Est-ce que vous êtes tendu? Très intense, très très intense, très stressant, très une adrénaline assez exceptionnelle. Surtout quand il y a de l'enjeu, comme ce soir. Évidemment, même quand on dans la boxe professionnelle, il y a un enjeu, c'est de gagner, c'est d'être le plus clean possible aussi, de ne pas prendre de coups, c'est de donner des coups sans en prendre. Et pour le coup, quand il y a une carotte qui a un titre ou un championnat, c'est toujours plus intéressant. Et là, on est à fond derrière Damien Martin et le Central Ring, moins, pour ce titre de ce soir. Pour terminer, Mehdi, en cas de victoire ce soir, donc Damien Martin sera triple champion de France. Est-ce que vous aussi, vous serez triple champion de France? Dans le cœur, oui, évidemment. Maintenant, je ne vais absolument pas retirer le bénéfice de la victoire au boxeur. Et on sera très heureux et on fera la fête. Mais très vite, il faudra repartir au boulot. La saison ne fait que commencer. Il y a de beaux défis et elle s'annonce riche en belles choses cette année. Donc, on verra après le combat. Merci beaucoup, Mehdi Lafifi. Voilà, bonne soirée. De ceinture de champion de France pour le Normand Ludovic Duval. Dans une salle pleine comme un œuf, le boxeur licencié au ring olympique d'Yépoix n'a pas réussi à inquiéter Damien Martin. Le Breton s'est facilement imposé au point à l'issue d'un combat en 10 rounds de 3 minutes. Il a donc remis les pendules à l'heure puisqu'il avait perdu face à ce même Ludovic Duval en fin d'année 2013. Mais surtout, il conserve pour la deuxième fois de suite sa ceinture. Samedi soir sur le ring, la boxe du Malouin faite de crochets courts ou larges a pris de vitesse le Normand qui n'a jamais baissé les bras. Ludovic Duval a tout essayé, mais son adversaire lui était supérieur. Damien Martin va maintenant défendre son titre le 6 mars en région parisienne. Pour la première fois, ce sera à l'extérieur. Les championnats de France de boxe s'enchaînent. Stellan Vidéo Communication a suivi celui organisé le week-end dernier à Saint-Malo. Stellan Vidéo Communication sera également à Saint-Lô le 28 février. Ce jour-là, à la salle Beaufils, dans la catégorie des poids super légers, le manchois Alexandre Lepelé tentera de ravir la ceinture à Franck Petitjean.